啊。Hey, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parcourir la belle ville de Paradise City, dans Burnout Paradise. Hey Wolfram, j'espère que tu vas bien. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Je ne saurais pas dire, j'ai dit, écoute. Ah bah oui, forcément, Vladi. Alors j'espère que je vais pas me faire strike, parce que là, au niveau du Content ID, il y en a de la musique sur ce jeu. Crevé du boulot, mais demain je suis de repos. Ah bah c'est cool ça. Bah écoute, je suis toujours pas en forme pour vous proposer la cam. Je peux toujours pas rester assis devant le fond vert. J'espère que ça ira mieux rapidement. Eh ben écoutez les amis, sans plus attendre, avec cette magnifique bande-annonce, on va se lancer dans l'aventure. Alors, je vous propose du Burnout Paradise ce soir, parce que je suis très nostalgique de l'époque Burnout, et j'aimerais beaucoup qu'on ait un Burnout, un vrai, qui reviennent soit sur les prochaines générations de consoles, soit sur les générations actuelles. Ah, cool, Wolfram. Non, Wolfram, je suis pas allé. Ça s'améliore de jour en jour, donc ça va passer tout seul. Et c'est surtout sur la longueur, en fait. Le fait de pas pouvoir rester énormément de temps dans une position fixe, en fait. En fait, pour être tout à fait franc avec vous, quand je le faisais déjà, à la fin des lives, j'étais en miettes. J'en pouvais plus.
Donc du coup, c'est pas vraiment la meilleure des choses que je faisais avant avec le fond vert. Exactement. Y a pas de soucis, je le dis. Ok, alors, eh bien, on va aller dans Paradise City. Oh, ça va être très détente ce soir. Hein. Alors, je vais jouer avec ma voiture préférée. Voilà. Ce jeu, juste magnifique. Mais tu ne peux pas te cacher. Quand tu es traqué, t'as plus de chance si tu as une caisse rapide et un garage pas loin. DJ Diabolica pour Crash FM. Je l'avais presque oublié, elle. Allez, on est parti, les amis. Alors, le principe de ce Burnout par rapport à... aux versions précédentes. La version précédente était des jeux plutôt axés arcade. Là, en fait, bon, déjà je commence bien. On est dans un monde ouvert. Et ah oui, Wolfram, je suis d'accord avec toi. On est dans un monde ouvert et en fait, je vais vous le montrer. Si je retrouve, voilà. Est-ce qu'on peut dézoomer? Oui. Voilà la taille de la carte. Donc il y a quand même pas mal de kilomètres de route à explorer et à chaque intersection on a une épreuve. Donc là je les ai pas toutes faites parce que j'avais fini mon jeu à 100% sur PS3, mais comme là on est sur la version PS4 remastered, du coup j'avais relancé le jeu mais je l'avais pas terminé. Donc j'en profite avec vous vu que je suis très nostalgique de l'époque de Burnout. Et comme il n'y en a plus aujourd'hui, eh ben, je vous propose ce jeu. Et à savoir que là, tout à droite, c'est le DLC Big Surf Island. Donc du coup, on ira... Je sais pas si on ira ou si on ira plus tard. Parce que là, de toute façon, j'ai énormément d'épreuves que j'ai pas trouvées ici. Donc, il y a de quoi faire déjà. C'est ça. Exactement, Wolfram. Alors du coup, le principe de ce jeu... Donc comme dans tous les Burnout, on obtient du boost. Et quand le boost est rempli, eh ben on l'active. Là ça va faire mal, non c'est bon. Alors dans le jeu, on a des panneaux. Oh le beau crash. On a des panneaux rouges comme vous venez de le voir avant que je me crash. Comme celui-là. Donc ça, il faut tous les trouver, il y en a disséminé un petit peu partout dans la ville. Il y a des raccourcis avec des grilles jaunes aussi à casser. Et c'est déjà pas mal. Et il y a des super sauts aussi, comme je viens de faire aussi à trouver. Ok, donc là, on va aller aussi chercher des courses, parce que de toute manière, ça ne sert à rien de... le face à face. Ça ne sert à rien dans ce jeu de faire toutes les épreuves parce qu'à chaque fois que vous passez à un niveau de permis, toutes les épreuves se redébloquent. Donc là, je vois que j'ai débloqué une course, donc on va peut-être pouvoir aller la faire. Et une fois que vous avez le grade de permis suprême, là, vous pouvez faire toutes les épreuves parce que vous savez que. Vous savez que de toute façon, il vous reste plus que ça à faire à la fin du jeu. Donc là, tout simplement, on commence une course en appuyant sur les deux gâchettes. Donc en faisant crisser les pneus. Va au sud-est jusqu'à Wildcats Baseball Stadium. Alors comme je me rappelle absolument plus des routes, ça va être très drôle. Alors je suis désolé, mais pendant les courses, je vais éviter de lire le chat.
Bah, là, je m'en doutais que ça passerait pas. Ok, on prend un petit raccourci. Bah qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Ok, donc là, une fois qu'on aura activé le boost, on va dépasser tout le monde. Donc pour remplir la jauge de boost, il suffit de rouler en sens inverse ou de frôler les voitures du trafic. Ok, donc là, vous voyez, je suis passé en dessous un grand panneau. Et en fait, toutes les épreuves se terminent aux quatre coins de la ville, en fait. Donc voilà, là, j'ai... Là, vous pouvez me voir. Coucou, c'est moi. Ah, je vais prendre le temps de lire vos commentaires. Bah écoute, je l'ai dit, c'est... Je suis désolé. J'y peux rien. Twitch a dit non ce soir. Ouais, je sais, Vladi. Allez. On va refaire une autre course. Alors, il y a différents... Oula, j'ai déjà abîmé la voiture. Il y a différents modes de jeu. Donc, vous avez les courses traditionnelles. Vous avez le mode Road Rage, où il faut faire le plus de takedown possible. Et vous avez le mode track et le mode cascade. Va au nord-ouest jusqu'à Ocean View Country Club. Du coup, n'hésitez pas à me dire si au niveau du son ça va. Ouah, je pouvais pas tourner. Ok, merci Wolfhard. Je pouvais pas tourner parce que mes roues ne touchaient pas le sol. Oula. Là, forcément, je me fais doubler maintenant. On va rattraper tout ça, les amis, vous inquiétez pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toutes les playlists des anciens Burnout, surtout les premiers. Alors le jeu a voulu me faire tourner, heureusement il m'a pas fait crasher. Il y a toutes les playlists des anciens jeux Burnout. Et du coup il y a des musiques comme celle-ci qui sont pas ouf. Alors j'avais pas l'impression de galérer autant sur le jeu d'origine. En fait quand la caméra takedown se déclenche, le jeu vous fait tourner automatiquement sans vous crasher. Mais là a priori c'est pas hyper bien géré. J'ai l'impression. Ok. Cherche la Rossolini LM classique. Elle roule dans les rues. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Donc là, toutes les je sais plus combien de courses, on a justement la collection de voitures qui s'agrandit dans le jeu. Sauf que là, c'est la voiture que j'ai actuellement, c'est une voiture DLC, donc du coup, j'ai pas eu besoin de la débloquer, celle-ci. Et du coup, il n'y a plus qu'à rouler dans la ville, et au bout d'un moment, on va finir par croiser cette nouvelle voiture qu'on vient de voir. Et il faudra juste la mettre dans un mur pour pouvoir la récupérer à la casse, en fait. Tout simplement. Bon, ça c'était parce que je voulais une voiture neuve, donc du coup j'ai craché la mienne. Alors après, il faut savoir qu'il y a des épreuves spéciales qui s'appellent les épreuves chrono, qui sont faisables avec une voiture en particulier. Vous voyez par exemple, là celle-là, il me faut la Thunder Custom Parcours Burning. Donc du coup, le Parcours Burning, c'est les contrôles à montre qu'il faut effectuer avec toutes les voitures du jeu. Donc là, je peux pas le faire parce que j'ai pas la bonne voiture.
Sinon, à côté de ça, c'est un jeu qui a, je vais pas dire bien vieilli, parce qu'il a quand même été réadapté. Il tourne en 4K sur PS4 Pro, si je dis pas de bêtises. Et c'est un jeu magnifique. Il est très beau. Et il reste très fluide. Donc on n'a pas de... Voilà, c'est ça qui est bien aussi. Vous pouvez vous poser à un endroit et vous pouvez admirer le paysage. Ouh, ouh. Donc quand... Ah, la musique du premier Burnout. Ah, ça c'est cool. Et en fait, pour le coup, vous pouvez vous foutre tout en haut dans les montagnes et regarder le lever de soleil sur la ville, comme ça. C'est juste magnifique. Donc dans Burnout, il n'y a pas que de la course, il y a aussi de la contemplation. Incroyable. Donc là, on a des petits portails jaunes, donc on va les ouvrir. Ok, donc là, on a un panneau rouge à casser. Il va falloir qu'on trouve le moyen de monter ici. Ça doit être par là. Ok, j'ai vu la rampe. J'ai vu trop tard, mais je l'ai vu. Ok. Bon, là, j'ai fait de la merde. Donc, pour ceux qui auraient reconnu, quand même, on joue avec la voiture de... Knight Rider, K2000 en français. Là, je fais que de la merde. Bah écoute, prends-toi un petit truc à manger et puis mate le live tranquillement. Fais-toi plaisir, mets-toi bien. Ok, donc là on va y aller doucement. Ok. Ah, il y a un saut à faire ici. Ok. Bon, on va recontinuer. Il y avait encore des barrières là, tiens. De la tôle froissée, du verre brisé. Apparemment, il y a du road rage dans l'air. Fais bien gaffe dans ton rétro aux voitures qui roulent n'importe comment. Si t'en vois une, hésite pas à la pousser gentiment dehors de la route. Ah bah oui, Wolferun. Ok, donc là on va retenter une course. Va au nord-est jusqu'à Big Sur Coast Guard HQ. J'avais oublié DJ Diabolica. Ah, oh, je l'ai frôlé, c'est pas du jeu. Je l'ai frôlé à 200, mais je l'ai frôlé. Ah merde, je suis à l'envers. J'ai tourné dans le mauvais sens. Heureusement que j'avais de l'avance. Ok, donc là on est en classe C. Le but c'est d'atteindre la classe A. Et ben on va tenter un road rage.
Et bonne app, Wolfram, si je te l'avais pas dit. Pour le Road Rage, c'est une bataille contre d'autres pilotes. Malmène-les dans toute la ville et atteins l'objectif sans détruire ta voiture ou dépasser le temps pour avoir une note sur ton permis. Alors théoriquement, il faut faire le Road Rage parce qu'en fait, il y a différents types de véhicules. Moi, j'ai un type vitesse. Normalement, il y a des types Road Rage, donc c'est-à-dire que c'est des voitures résistantes mais qui vont pas vite et qui peuvent encaisser beaucoup de dégâts. Ouais, donc là, il y en a un, il m'a poussé. Et il y a des types cascades pour réaliser les épreuves cascades. Ok, donc là j'en ai un. Et plus vous faites des takedowns, plus ça repousse la limite de chrono. Celui-là on va se le faire. Voilà. Si, Wolfram, il y a un mode crash. Alors je sais plus comment on l'active, mais tu peux l'activer à tout moment en fait. Et il est un petit peu spécial, il est pas comme dans les anciens. Voilà, là c'est pas lui qui m'a poussé, c'est moi qui l'ai poussé, mais bon, on dira rien. En fait, quand vous avez une différence de vitesse trop élevée, avec les gens qui vous rentrent dedans, vous pouvez pas contrôler votre voiture. Et du coup, vous prenez des murs. Quand vous allez plus vite qu'eux, vous pouvez les pousser. Donc là je l'ai poussé mais il m'a poussé en même temps que je l'ai poussé, donc c'était bizarre. Oh, c'est pas du jeu. Donc là on a des dégâts critiques, soit on va dans un garage pour se faire réparer, ou alors on évite de se prendre de takedown ou de crash, parce que sinon l'épreuve sera terminée. Et avec la magnifique musique de Burnout Takedown, Burnout 3. Je l'ai pas pris assez assez courbé le virage. Ouais, c'est vrai. Du coup, attends, je vais essayer. Je vais essayer, Wolfram, de te montrer ce que ça, à quoi ça ressemble le mode crash dans celui-là. Si je m'en souviens de comment on l'active. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand tu te crashes, tu appuies sur L1 plus R1. Et ensuite, eh ben, il faut faire le plus gros crash possible. Bon, c'est un peu étrange du fait que la voiture bouge toute seule. Là, je suis pas au meilleur endroit. J'aurais dû soit faire ça en centre-ville, soit sur autoroute. Quand vous faites ça sur l'autoroute, c'est insane. Alors là, il y a le multiplicateur. Oh non, je l'ai raté. Ok. Et c'est plus comme avant, on peut plus faire exploser la voiture. Il faut savoir que chaque route a un défi chrono et a un défi... je disais donc un défi chrono et un défi crash comme ça. Donc sur chaque route du jeu, il y a un truc comme ça à faire. Et un chrono. Et il faut les faire à la fois en voiture, les chronos, et en moto. Parce qu'il y a une mise à jour qui a ajouté les motos dans le jeu. Et tous les 10 véhicules ont rempli notre barre de boost. Ce qui nous permet de continuer à avancer. On va faire le bus. Le bus, ok, c'est bon. Je gagne des trophées en masse, c'est beau. On va continuer sur cette route, il y a l'air d'y avoir du monde quand même. Donc là pour l'instant c'est un carnage. Hein.
Donc ça n'a rien à voir avec le mode crash des anciens jeux, on est bien d'accord. Mais c'est un mode crash que tu peux faire n'importe où dans le jeu. Donc c'est marrant. Donc le but, hein, on essaye de rester au milieu de la route pour toucher un maximum de voitures. Donc tous les bus donnent des multiplicateurs supplémentaires. Donc à chaque fois que vous touchez un bus... Ah. Tu as réussi le défi route Showtime. Passe en défi route chrono et bats le record pour dominer cette route. Eh ben 7 millions c'est pas mal. Donc voilà, là j'ai fait le record sur cette route. Et il faut savoir que je sais plus comment... Non, là, j'ai changé la mise. Voilà, donc on a le Easy Drive. Et là, en fait, on peut... voilà, les défis routes, les chronos... Ah, la voiture, elle est là. Elle vient de nous doubler. Et là, forcément, il y a du trafic parce que comme j'ai fait le... Le mode crash, ça fait pop des voitures beaucoup, donc du coup il y avait beaucoup de monde. Allez, on va aller le chercher. Ok. La Rossolini LM classique est disponible à la case. Bien, écoutez, on va en profiter pour faire cette course qu'on va retourner en ville. Ah bah non, on va pas retourner en ville. On va rester dans les montagnes. Allez, on est parti. Donc je pense que j'ai une des voitures les plus rapides du jeu. C'était tendu, virage à angle droit, j'ai préféré faire ça parce que sinon ça passait pas. Ok. J'avoue. Ah, vous voulez vous la jouer comme ça, ok. Je suis plus habitué au dérapage, hein. Putain, ça fait bizarre. Ok. Bon, au début, dans les premiers permis, la difficulté est pas ouf. Mais plus vous augmentez de permis, et plus les adversaires sont coriaces. La Hunter Manhattan roule dans les rues de Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Alors, on n'y manquera pas. Alors, si je me rappelle bien, il y a un saut à faire pas très loin, non ? Je sais pas si je l'ai déjà fait. Je crois que c'est après. Ouais, j'ai déjà dû passer dans le coin, ouais, effectivement. Ouais, c'est là. Ah, dommage. Il compte pas. Il faut atterrir correctement. Il faut atterrir correctement ou sinon ça ne fonctionne pas. On va essayer de le faire dans l'autre sens.
Eh oui, vous avez vu, je conduis même en marche arrière, je suis trop fort. Allez, on va prendre l'élan. Ok, alors je sais pas s'il faut le faire dans les deux sens. Dans le doute, on va réessayer. Bah moi aussi Wolfram, tous les jours avant de me lever. Ok, bon, soit j'ai déjà dû le faire, soit ça compte pas dans les deux sens. Bon, je casse beaucoup de voitures. Attends, parce que j'ai eu des panneaux à casser. Il y a un petit peu partout, hein, faut bien chercher. Alors la nuit c'est pas ouf hein, pour conduire rapidement. On va pas se mentir. Ah mais j'ai la poisse hein, sur les mégasauts. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Il aura peut-être fallu. Ah, dans le doute, je vais quand même recommencer l'autre parce que je l'avais pas celui-là. Et comme ça, a priori, ça se suit. Ok, bah j'en avais un et pas les deux, je comprends pas. C'est les super jump. Ah, je suis monté dans un pick-up. Je pense qu'elle va peut-être un peu moins bien rouler comme ça. J'en profite pour vous montrer l'intérieur de la voiture. Comme quoi c'est hyper fidèle au film. Bon là elle est éteinte. Bref. Et ouais, et il y a 200 panneaux, je crois, à casser. Et ben, on va se faire cette course-là, tiens. Ah ! Attendez. Oh, j'aurais pas dû mettre en travers. On va te défoncer. Où c'est qu'elle est partie? Je
fait n'importe quoi. Ok. La Hunter Manhattan est disponible à la casse. Y'a pas de soucis, Vladi. Tu l'as à l'avant aussi, Wolfram. Attends, je vais réparer la voiture. Il est où le garage? Ah ouais, non, c'est après. Je vais te réparer la voiture, je vais te montrer en fait. Bah, elles sont pas rouges, je crois qu'elles sont bleues. Ils ont pas eu le droit de copier totalement, je crois. Alors, je vais essayer de te montrer, mais je te promets rien. Ouais. Donc c'était plus sympa de le mettre à l'arrière aussi, parce que sinon tu vois jamais l'avant de la voiture. Du coup, on va retourner en ville et on va récupérer les voitures à la casse. D'un bout à l'autre d'une rue. Et non seulement je me fais jamais arrêter, mais en plus on me donne un score showtime. C'est comme ça que ça se passe à Paradise City. Je l'ai vu venir. Alors, il y a toujours un truc que j'ai trouvé dommage dans ce Burnout, c'est que les voitures, elles s'abîment pas excessivement beaucoup. C'est-à-dire que t'en perds pas beaucoup de morceaux, en fait, de ta voiture. Mais ça, bon, c'était à l'époque de la PS3, donc du coup, pour le remaster sur PS4, ils ont pas modifié le jeu. Oups. Attendez, parce que là, il y a moyen de se faire le saut, quand même. Je l'avais déjà fait. Alors, je soupçonne d'être un gros nul. C'est fort probable, Wolfram. Je pense que tu as fortement raison. Je pense qu'on va essayer de partir par là. Parce que j'ai mon spot pour. En fait, il y a un endroit où il y a une casse. Et un atelier de réparation juste à côté. Pas très loin. Donc du coup, je vais toujours là-bas pour récupérer les voitures. Bien, je voulais tourner là. Puis en même temps, je vais vous montrer un peu toutes les voitures qu'il y a quand on sera à la casse. Ok, on y est. Tu peux les custom, mais de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, là du coup, toi c'est une épave, parce que c'est les voitures qu'on a cassées, pour les récupérer. Donc du coup, là, il faut que je les répare. Et ensuite, une fois que je les aurai réparées, tu passes dans ce qu'on appelle un atelier de peinture, et ça va te repeindre ta voiture, mais tu choisis pas la couleur, c'est aléatoire. Bon, du coup, j'en profite pour vous montrer un peu toutes les voitures. Donc, je vais vous montrer toutes celles que j'ai débloquées, déjà. Ok. Donc, ça, c'est la première du jeu. Donc, vous voyez, là, c'est un type cascade. Ils ont toutes des caractéristiques différentes. Donc, une fois qu'elles sont réparées, elles sont jolies. Bah, c'est pas primordial, en fait, dans ce jeu. C'est, je crois que t'as 3 ou 4 couleurs par voiture. Tu passes 3 ou 4 fois dans le truc de peinture et puis c'est fini, quoi. T'as des voitures que tu peux pas repeindre non plus. Comme celle que j'avais, je crois que je peux pas la repeindre. Donc c'est vraiment
des grosses voitures américaines. Hein. Ça, c'est les voitures, ce qu'on appelle agression. Donc, c'est les voitures qui sont faites pour le road rage, celles qui sont solides et celles qui tapent fort dans les adversaires. Ça, c'est une voiture vitesse. Alors ça, c'est un gros paquebot. Pour faire des cascades avec celle-là, faut avoir envie parce qu'elle met tellement de temps à accélérer. Ça, c'est une déclinaison. Ah, Krieger Pioneer. Ça, je veux dire que quand t'as ça en road rage, ça fait mal. Ça, c'est une voiture japonaise. Ça aussi. Ça, c'est... On se demande ce que c'est. C'est un truc qui roule, tu te demandes encore pourquoi. Ça, c'est la dernière que j'avais récupérée. Et celle-ci qu'on doit aller réparer. Parce qu'elle est mal en point. Donc on va aller la réparer. Donc je crois que quand tu choisis ta voiture, tu peux choisir la couleur quand même. Oh punaise, comment elle chasse du cul. De toute façon, je vais vous montrer, on va passer devant l'atelier de peinture. Donc là, on répare. Donc voilà ce que ça donne la voiture une fois qu'elle est réparée. Et on va en profiter pour aller la repeindre. Pour vous montrer comment ça fonctionne. Côté. Donc là on a une couleur je sais pas trop quoi. Hey, salut Doggy, comment vas-tu? J'avoue Doggy. Donc ah non, c'est marron. Bon, le bus bouge, voilà, on est marron. On peut y retourner. Et là, elle est bleue. Bleu foncé. Bon, on va laisser comme ça. Ok, donc on la ramène à la casse. Donc pour tous les fans de Burnout, hein, là actuellement c'est des musiques des anciens Burnout qui repassent, donc si vous connaissez les musiques, c'est du pur bonheur pour vous. Ok, donc celle-là aussi il faut qu'on la répare. Je suis pas trop fan du rose, je préférais un beau bleu. On va voir si on peut faire ça. Ah, vous voyez là, le boost n'est pas de la même couleur en fait. Là, plus je vais faire des cascades un peu tricky, putain, comment elle tourne pas. Plus je vais faire des cascades, genre par exemple, je vais sauter de la route, etc. Et ben, plus le boost va se remplir en fait. Ok, donc quand elle est réparée, elle est quand même tout de suite plus jolie. Et on va changer la couleur. Rouge. Non, moi je voulais du bleu.
essayer de trouver du bleu. Non, ça c'est du marron. Voilà, du bleu. Elle est belle comme ça. Allez, c'est parti. Ah, l'accident. Ah, c'est les vieilles voitures américaines, hein, si tu veux. Ça a son charme. Ok, donc par exemple, maintenant, une fois qu'on a réparé la voiture, si je veux reprendre celle-là, par exemple, eh bien voilà, maintenant, on peut choisir les finitions. Donc on peut choisir le... Ah ouais, les peintures nacrées, elles sont très jolies parce que... elles changent en fonction de la lumière. Je trouve ça magnifique. Donc une fois que vous les avez réparées, bah voilà. Voilà ce qu'il est possible de faire. Donc il y a une nacre, lustre... ou métallisé. Je sais pas c'est quoi la différence entre métallisé et lustré. Si métallisé, elles sont plus brillantes, j'ai l'impression. Il y a pas mal de couleurs. Mais du coup, on va pas prendre celle-là. Oui, oui, mais il faut déjà les avoir au moins réparées une fois. Et après, quand tu les choisis, ouais, effectivement, tu peux les... Les customs. Alors ça c'était avec la mise à jour. On a la possibilité de jouer avec une moto. Je vais juste vous montrer ce que c'est hein, parce qu'il n'y a pas de boost sur les motos. Ah oui, on peut jouer avec une fille aussi. Jouons avec une fille. C'est mieux. La peinture en a créé aussi, elle. Oh, elle est jolie, celle-là. Alors le jeu ne se joue pas du tout pareil à la moto. Hein. Enfin voilà, c'était pour vous montrer les motos. C'est pas mal. Je trouve ça cool. Et alors, il y a des défis spécifiques aux motos à réaliser dans la ville. Alors ensuite, il y avait un délire. C'était les véhicules miniatures. Donc ça c'est des DLC. Donc c'est des trucs qui ressemblent à des trucs miniatures. Ça avance pas trop. Il y en a plein de différents. Ça a jamais été mon délire. Il y a une moto aussi miniature. Déjà que les motos sont pas grandes. Et on jouait avec un mini pilote. C'est marrant.
Ensuite, les voitures boost, je sais plus ce que c'est ça. Donc ça c'est pareil, hein, c'était... Ah oui, c'était les DLC aussi, ça, je crois. Ah, celle-là, elle est terrible. Celle-là, elle est terrible parce qu'en fait, vous pouvez choisir son type de boost. Ah, je sais plus comment ça marche, je vais essayer. L3 te permet de choisir les 3 types de boost disponibles. Ça, c'est la voiture ultime du jeu, en fait. Je vais vous montrer comment ça marche. Elle est un peu space, cette voiture. Donc là, j'ai le boost cascade. Ah, les roues sont magnifiques. Attendez, je vais pas me mettre là, parce que sinon on va commencer l'épreuve. Regardez ça. Et du coup, voilà, je peux changer. Je peux prendre le boost vitesse. Je peux prendre le boost road rage. Ou le boost cascade. Et la voiture change de couleur aussi accessoirement. Elle est plutôt pas mal cette voiture. Bien. Elle est très jolie. Exactement. Et je crois que celle-là c'est un truc de dingue. Parce que c'est la voiture qui a le plus de boost du jeu. En fait, à partir du moment où tu actives le boost, il ne s'arrête jamais. Attendez, on va la prendre en vert. Non. Couleur un peu classe. Oh, violet, c'est joli. Violet. Allez, hop, c'est parti. Alors vous allez voir la dinguerie de cette voiture. Déjà le boost est bleu. C'est la seule voiture avec le boost bleu. Donc on va monter le boost. Ah, je crois que je peux l'utiliser en fait. Regardez bien, je vais me mettre en ligne droite et je vais activer le boost. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Alors là, c'est impossible à conduire. Là, pour tourner, c'est... faut sceller les murs. Donc là, le seul moyen de l'arrêter, c'est de la lancer contre un mur. Voilà. Alors je vais vous la refaire à basse vitesse, je crois que les roues avant se soulèvent, on l'a pas très bien vu quand je l'ai activé tout à l'heure. Regardez bien. Voilà. Et là on lâche la puissance de la bête. Petite voiture. Ah ouais, là on ponce là. Là on ponce la carrosserie là. Donc ouais, ça c'était une voiture DLC du coup. Elle faisait pas partie du jeu de base. Sur ces voitures-là, j'ai jamais compris Wolferan. Avec un peu de chance, il a peut-être un petit espace de vision si tu regardes bien. Hein. Il voit pas toute la route, mais il en voit un bout, je pense.
donc là fallait que je m'arrête, donc j'avais pas le choix. Ah, on a perdu les roues. Ça va avancer beaucoup moins bien. Donc voilà, c'était pour vous montrer. C'est la voiture la plus dingue du jeu en termes de... En termes de boost. Les voitures de police. Je ne me rappelais même plus qu'il y avait des voitures de police. Ça, c'est pour jouer en mode voleur et police, en fait, en ligne. Il y a un mode où tu joues les policiers et tu dois arrêter les voleurs. Donc, bah, c'est des voitures de flics. Hein. Y a rien de bien... Rien de bien spécifique. Ah, celle-là, elle est cool. On dirait la voiture de Cruella, mais en voiture de flic, quoi. Et puis, sinon, il y a des trucs qui ressemblent un peu à des voitures d'aujourd'hui. Genre ça. Sinon, il y a celle-là aussi, je crois, elle est méchante, celle-là. Une fois que t'enfonces le boost, celle-là... Elle va vite. Elle va très vite. Elle est très dure à contrôler aussi. Et ils ont fait une autre road aussi en voiture de police. Le moteur est moins gros. Bref, mais ce qui nous intéresse le plus... Ah, il y a les voitures de Big Surf Island aussi, j'avais oublié. Il n'y en a qu'une. Est-ce qu'il faut les gagner les autres? C'est un buggy. Mais ce qui nous intéresse le plus, les amis, c'est les voitures de légende. Regardez-moi ça! Ne reconnaissez-vous pas cette voiture? Bon, elle est un petit peu modifiée, mais... C'est beau? Ah, on peut choisir la peinture sur celle-là. Métallisé gris, on va la laisser de la couleur d'origine. Alors, regardez bien. J'active le boost. Et j'active le mode survol. Pour choisir la bonne voiture et le bon style de conduite pour chaque épreuve. Moi, j'admets que j'aime bien passer en force. Alors je prends toujours la caisse qui a le plus de puissance. Sûrement la raison pour laquelle je suis nul en cascade. Ma Krieger Pioneer aime pas trop les tonneaux. C'était DJ Diabolica sur Crash FM. Est-ce que c'est cool? On va pas se mentir, c'est cool. Bon là, je l'ai un peu cassé, mais... Ah putain, je regarde le chat. Le bruit qu'elle fait, quoi. Et puis quand on active le boost, il y a les traces de flammes quand elle part dans le temps, en fait. Bon, là, j'ai plus de boost, forcément. Mais comme c'est une voiture cascade, regardez ce qu'on va faire. Vous voyez à quel point ça va vite quand on saute les voitures cascades. Ah, raté. On va le faire dans l'autre sens. Oh yeah! Donc ça, c'était la DeLorean. Ensuite, il y a ça.
Il faut que je vous montre cette voiture. Bon, c'est, ils ont pas repris la vraie sirène, mais bon. Elle est stylée quand même. Il devait pas avoir tous les droits à mon avis. Enfin, ils ont adapté les voitures par rapport aux voitures du jeu en fait. Oh, elle est très lourde pour tourner. C'est ça. Donc on va passer sur la GT Nighthawk, qui est donc la réplique du kit de K2000 ou de Knight Rider, ça dépend si vous l'avez vu. Bon là il n'y a pas écrit Knight, c'est dommage, mais bon. Et celle-là, je sais pas si vous connaissez. Je vous laisse trouver dans le chat si vous avez la référence. Je vais vous donner un indice. Voilà. Non, c'est la Generali. Non, chéri, fais-moi peur. Avec le klaxon bien distinctif. C'est vieux, hein, comme série. Donc nous, on va reprendre celle-là, parce que c'est ma préférée. Non, c'est très vieux... Même moi, avant de savoir, je savais pas. J'aime beaucoup celle-là parce que les feux sont stylés. Elle va vite. Elle est sobre. Elle est stylée. Donc du coup, j'aime bien celle-là. Alors, donc comme je voulais l'expliquer tout à l'heure, voilà, on a... On peut rejoindre ses amis en ligne, on peut rejoindre des gens en ligne. Parce que en fait, la ville s'ouvre totalement en ligne en fait. On peut rentrer dans une partie et on peut aller jusqu'à 8 joueurs en fait dans toute la ville en ligne. Donc on peut se faire des courses entre nous, se taper dedans, faire des cascades, etc. Et il y a aussi un trophée, il faut retrouver 8 joueurs en ligne au même endroit. Donc en général les gens ils y vont pas, donc pour avoir ce trophée c'est le seul qui me manque sur PS3 d'ailleurs. Et voilà, tout se gère comme ça en fait. Eh oui, si je suis pas là pour vous faire des citations, qui vous les fait? Et vu que je suis dans les explications, on va attendre un petit peu et logiquement... Si on attend suffisamment longtemps, il se passe un petit truc. Exact.
etc. Il les réinitialise. Donc du coup, à chaque fois qu'on change de permis, c'est pour ça que je vous dis que ça sert à rien de faire toutes les courses et tout le faire à 100%, parce que de toute manière, tant que vous n'avez pas le dernier permis, donc c'est le permis A, je crois, ça sert à rien de tous les faire, tout simplement. De toute manière, là, il manque 26 victoires, donc il y a 70 épreuves, je crois, dans la ville, donc... Donc je disais que j'avais vu des panneaux, on va essayer de les... Ce que tu dis n'a aucun sens. Je suis pas totalement sûr, Eddie. Je pense que ce que je dis est quand même assez réfléchi. Donc là, il y a des panneaux rouges, on va essayer de se... Tiens, on va voir celui-là, déjà. Voilà. Ah, il y avait un mur au milieu. C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette. Ouais, c'est pas faux. Ah, votre enchaînement était tellement bien. Je vais vous embaucher pour faire des dialogues. Comment on fait pour l'atteindre, celui-là? Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Ok, c'est là. Trop tard. En fait, il faut s'arrêter sur le compte. Il faut s'arrêter sur le conteneur, tout simplement. Attends, est-ce que celle-là elle est nulle comme musique? Celle-là elle est pas mieux. Celle-là ça va. Il faut s'arrêter sur le conteneur et après casser le panneau. Je crois que je me suis raté trop tôt. Donc tu n'es pas là. C'est QFD. T'es pas vraiment là. Eh ben, c'est pas ça. Parce qu'il y a une barrière. Ah non, faut sauter d'ici. Eh bien, vous allez recommencer tout ça, depuis le début. Et j'espère que ça vous servira de leçon. Bah bien sûr, ouais. On n'a pas le choix. Surprise, motherfucker. C'est ça. Alors par contre, comment on fait pour monter ici? Ah ah! Donc il y a quelque chose là. Ok, il y a 120 panneaux à avoir. Il n'y a pas 200. C'est stupide. Pourquoi c'est jamais clair? Comment se garer avec Darkseid en 3 leçons? Ok, donc ça c'est bon. Alors je suis désolé, hein, pour toutes les choses que vous m'aviez dit de rajouter ou de modifier. C'est pas fait parce que je pouvais pas me mettre à l'ordi. Avec mon mal de dos, je pouvais pas rester derrière l'ordi.
les pancartes là. Hérétique, au bûcher. Alors autant vous dire que ce jeu, quand vous commencez à y jouer. On en a gros ! Ils vont quand même pas me mettre cette musique là. Je crois qu'elle est un peu pris cher la bagnole. Alors je vous abandonne une minute et voilà ce qui se passe, vous êtes devenu fou. Bon, on va changer cette musique. Vous croyez que je me tape tous les strikes de toute la terre là, avec toutes les musiques qu'il y a là? Non mais c'est pas possible. Putain, il est fort ce con. C'est pas possible. Ils nous les ont toutes mis à la suite là. Ah mais attendez, je crois qu'il y a une option aléatoire dans les options des musiques parce que là c'est pas possible. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein. Exactement. Attends. Non, c'est... je sais plus c'est où. Je sais qu'il y a des autres. Ouais. Bande son, voilà. Et... ouais, c'est pas faux. Et... voilà, aléatoire. Comme ça, quand je changerai de musique... voilà, on tombe sur des musiques aléatoires. Ok. Parce que là, en fait, ils nous les mettaient toutes à la suite. Tiens, mais on va faire une track. Je vais perdre, mais vous allez voir ce que c'est. C'est toi qui es traqué. Tu es ici. Va au nord-est, jusqu'à Big Surf Coast Guard HQ. Avant que tes poursuivants ne détruisent ta voiture. Si tu t'en sors en un seul morceau, ce sera noté sur ton permis. Bon, déjà, je détruis ma voiture moi-même, déjà. J'ai pas besoin des autres. Ok. Le timing était bien, Wolfram. Tu te débrouilles. Un petit peu en retard, mais bon, ça c'est le live. Ah! Je voulais passer au truc pour réparer la voiture, mais je pouvais pas tourner assez. Ta-ta-ta-ta-ta. J'ai dit, je veux réparer ma voiture. Merci. Parce qu'en track, si vous réparez pas votre voiture, c'est compliqué. Mais oui, c'est clair. Voilà, c'est ça l'endroit où il faut 8 pour avoir le trophée. Le stade de baseball. Et merde. Ils veulent que je tourne. C'est très bien tout droit aussi. Bon là le virage il va faire mal. Et ben voilà. Oh!
Ok. Donc vous voyez à quoi ça ressemble une track. On va se faire un défi cascade pour que vous voyez à quoi ça ressemble aussi. Il faut que je change de voiture par contre. Quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Il faut qu'on la répare aussi celle-là, je crois. Et pour finir, sur la dernière heure, on ira à Big Surf Island. Parce que c'est Bao. Je crois que même celle-là réparée... Même réparer celle-là, elle est pourrie, je crois. Ouais. C'est de la merde. Même pas mal. Pas déconner, hein. On va reprendre une vraie voiture. J'adore cette musique. C'est bon, y'a pas de quoi en chier une galette. Bah, je sais pas, hein. À toi de juger, Wolfer. Hein. Ah non, j'ai dit qu'il fallait que je fasse une cascade. C'est pas cette voiture-là qu'il faut. Bon, on va prendre la Generali. Je crois qu'elle fait cascade. Oh non, tiens, on va prendre la DeLorean. Alors, défi cascade, il y en a un par là, je crois. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Enchaîne dérapage, boost, saut, tonneau et vrille pour le plus gros score dans la limite du temps imparti. Alors, en pleine ville, ça va pas être ouf. Hein. Le mieux, c'est quand on est dans les montagnes. Parce que là, il y a rien pour faire des figures. Je crois qu'il y a le parc à côté. Je sais pas. Ah si, là il y avait des rampes. Donc vous allez voir. Voilà, ça gagne des points. Je vous engage. Je crois que il y a plusieurs routes ici. Merde. Il y a une route où il y a un saut. Je crois que c'est celle que j'ai pris, mais je me suis tapé le mur. Ouais, voilà, c'est ça. Essayer de faire gagner, on va gagner les points quand même, j'espère. Oups. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. À votre avis? Où ça? Mais là. Je
Et merde. Je veux dire, c'est bon, là, si je saute, je gagne un max de points, parce qu'il y a une grande rampe après, juste après, là. Mais j'ai pas réussi. Et bien voilà. Le nombre de trophées que je gagne ce soir. Incroyable. La Carson and Bennett Grande Marée roule maintenant dans Paradise City. Si tu la vois, fais-la s'arrêter pour l'ajouter à ta collection. Regardez-moi là, le saut qui m'attendait là, juste là. Le meilleur conseil à donner à un pilote qui vient d'arriver à Paradise City, c'est d'explorer la ville. Découvre-la à ton propre rythme. Repère les lieux. Trouver les sauts, les raccourcis, les panneaux, c'est ce qui fera de toi un gagnant. C'était le conseil officiel de DJ Diabolica depuis Crash FM. Oh, une limousine! Elle va moins limousiner maintenant. Ils ont envie qu'on écoute du Beethoven quand même. Ok. Donc, on va reprendre une vraie voiture, comme je le disais donc précédemment. Et on va aller faire quelques courses. Tiens, bon, on va faire le Road Rage qui est juste là. Hop. Road Rage. Inflige des takedowns aux autres avant qu'ils ne détruisent ta voiture ou que le temps soit écoulé. Parcours toute la ville et atteins l'objectif pour avoir une note sur ton permis. Ah oui, il y a la mode. Il y a le mode première personne aussi. Ouais, on va éviter, je pense. Je suis pas habitué. Ça fait mal ça. Ah quoi, j'aime pas quand il te pousse comme ça, tu peux rien faire, tu peux pas tourner. Regarde là. Je peux rien faire, j'avais le joystick tout à gauche. Tu te fais pousser, c'est fini. En mode road rage ou track, tu perds l'épreuve si ta voiture est détruite. Alors passe au garage avant de commencer pour que ta caisse soit à 100% pour la course. Sans blague. C'est de la merde. On va se venger. Ah non, c'est un parcours burning ça. On va la refaire, c'est pas grave. C'était un peu trop beau pour que ça dure. Sauf que là maintenant on a une bagnole toute neuve. Ça va pas se passer pareil. Atteins l'objectif de takedown. Thank you.
Il y avait un mur, j'avais pas vu. C'est honteux. Ouh, le mur, je l'ai vu venir. Ah. Ah, tu l'as pressenti, Edugi, c'est normal. Oh punaise, oh le virage. Ça va, 15 pour 4, c'est large. Bon, il y avait pas mal de panneaux jaunes à détruire dans le coin là. Bah faut pas faire chier Darkseid, hein, c'est tout. Si tu fais chier Darkseid, ça se passe mal. Alors attends, là il y a un panneau, ah il y a un parking, ah oui il faut trouver les parkings aussi. Il y a 10 parkings à trouver. Ah putain là. Non. Ah bah ça va nous remettre là. Ah mais quand tu touches un mur, la voiture elle part mais n'importe comment. Un truc de dingue. On va se calmer hein. C'est qu'un poteau. Alors attends, comment ça se présente là ? On va tout droit ? Ok, on va tout droit mais faut aller vite. Ok, c'est bon. Ah, il y a un autre parking là. On le fera en dernier. Parce que là, il y a un autre panneau à avoir. Alors, est-ce que là, c'est intéressant de sauter par là ?
Non. C'est pas intéressant, par contre là c'est intéressant. Alors on se positionne bien, et c'est parti. Ok, ça passe. C'était limite, hein, mais ça passe. Du coup, on va se faire l'autre parking. Je vais reprendre le parcours comme ça, je dirais direct. Il n'y avait pas une autre sortie, hein, par hasard. Non. Ok. Donc il y a un trophée aussi, pareil, hein, si on trouve tous les parkings. Même pas mal. Ah, je l'ai déjà fait celui-là, on dirait. Ouais. Mais lol! Je rêve où je viens de voir un crash en direct, là. L'autre, il repart tranquillement, comme si de rien n'était. Ah, je te pousse, moi, si tu veux. Qu'est-ce que tu coupes de tes propres victimes? Et Doggy. On va peut-être pas se lancer sur un débat comme ça, hein? Voilà, elle me gaffe, cette chanson. Ok, c'était pas là que je devais atterrir, mais bon. Ah! Des barrières, des barrières, des barrières, des barrières! Hey! Ultimate! Comment ça va? J'ai peut-être pas entendu ton booby. Ah oui, j'allais dire, il a pas marché. Ici, DJ Diabolica sur Crash FM. On m'informe qu'une course est en cours dans Paradise City. Que le plus rapide et le plus vicieux gagne. C'est mieux. Ok. Où est-ce qu'il y avait encore des barrières? Là-bas. La poubelle qui m'a fait dévier sur le camion. Elle était belle. Alors aussi, il y a un truc, il faut trouver toutes les épreuves du jeu, donc faut se rendre à tous les carrefours du jeu. Là, par exemple, celle-là, on l'avait pas. Ah, c'est un parcours burning, ça ne vous intéresse pas. Des barrières jaunes. Comment ça va, Narutimalt? Ah ouais, il y a un saut ici. On va faire ce saut. Ah, je crois, je me rappelle, dans les montagnes, il y a un putain de spot aussi pour faire des sauts et des cascades. On va faire ça, après on va le chercher. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Il était temps qu'il me le compte parce que ça s'est mal fini.
On va réparer la bagnole, tiens. Poussez-vous, je passe. C'est quoi cette musique? Ouais, ok, ça va. Ah, un panneau rouge, là. Ok, faut venir de derrière. Allez, où l'entrée? Ah, c'est là. Panneau jaune aussi, c'est bon, ça. Ah, tous les panneaux qu'il y a. Bon, attendez, on va faire celui-là déjà. Non, faut que je trouve une rampe. Ah, c'est bon, ça va. Ok. Nice. On va retourner vers les autres panneaux là-bas. Oups. Les virages font souvent mal dans une... Oh, il y en a encore un à droite, là. Je crois que j'ai pas beaucoup exploré les montagnes, a priori. Ah oui, je crois... Ah, la voiture, elle est là. On va la casser. Ça, j'aime pas, t'arrives à la cracher mais tu te craches en qu'est-ce même que temps. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais. À votre avis? Où ça? Mais là? Tu te craches en même temps que la voiture, du coup ça compte pas. Ça m'agace. Et là elle s'est crachée toute seule. Elle est où? Allez, viens ma cocotte. Genre tu me pousses. Non mais tu t'es cru où là? Je vais beaucoup trop vite. Alors il faut savoir que ce qui vient de se passer là, c'est que j'ai subi un crash, mais il n'était pas violent. Donc du coup ma voiture peut encore rouler. Et ça n'existait pas dans les premières versions du jeu. A chaque fois qu'il y avait un crash, on était obligé. La Carson and Bennett Grande Marée est disponible à la casse. On était obligé de revenir avec la cinématique qui nous fait revenir avec une voiture neuve. Et il y a une mise à jour. Ils se sont dit que ça serait cool si les joueurs n'avaient pas à avoir la cinématique et que la voiture pouvait ne pas détruire justement à chaque crash. Merde, je suis en train de lire le chat, du coup je fais n'importe quoi. Bah, c'est à dire que j'ai. Sur PS3, j'y ai passé énormément de temps sur ce jeu en fait. J'ai passé beaucoup de temps. Bah, je l'ai fini à 100% hein, quasiment. Hein. Je dis quasiment parce que j'ai pas eu tous les trophées à cause du trophée en ligne de merde, non? Comment on fait pour avoir ce panneau? Ah oui, ok, je sais. Ça me fout une angoisse.
Ok, donc là je suis passé à côté d'un panneau, donc on va y retourner. C'était un panneau? Ouais, si c'était un panneau. Je sais plus. Non. C'est quoi que j'ai loupé? Ouais, enfin, il y a quand même énormément de temps que j'ai pas joué. Je crois que ça fait 6 ans que j'ai pas touché au jeu. Ah, c'est là, c'est là. Ok. Des pancartes, des pancartes. J'en ai vu d'autres. Elles étaient où? Avoue que tu l'as déjà sorti cette excuse-là, Wolferan aussi. Et tu peux pas me dire non. Bon alors, je vais vous montrer l'endroit qui est dans les montagnes, qui est assez cool. C'est juste que je sais plus où c'est. Si, je crois... Ouais, si, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut que je retourne par là. Ok, on va faire demi-tour. Ouais, mais tu sais très bien que c'est pas vrai, Wolferan. Ah, cette musique, les amis. On va juste l'écouter 2 secondes. Je suis pas très bon non plus, et Doggy. Hein. Écoutez-moi cette musique. Pour tous ceux qui ont joué à Guitar Hero, cette musique, elle est dans les annales. C'est pour ça que je tourne le joystick à Doggy. Regardez ces belles rayures. Ce jeu est magnifique. Incroyable. J'adore cette musique. En plus, elle est tellement cool à jouer sur Guitar Hero. Bon. Allez, on va se rendre à l'endroit que je vous ai promis. On est sorti des montagnes là. Ah non, c'est bon. Je voyais un semblant de ville, je me suis dit on est retourné en centre-ville. Non, ça... Si tu veux vraiment énerver les snobinards du country club, tu peux toujours sauter par-dessus le lac pour atterrir sur leur île réservée aux membres. Dis-leur que c'est DJ Diabolica qui t'envoie. Alors attendez, là faut pas que je me trompe de direction. Sinon on fait un putain de détour. Ok, faut que je prenne la route de droite. Celle-là. Et c'est là. Regardez-moi ça.
Et ça, c'est le coin où on peut s'amuser. C'est aussi le coin où on peut détruire des voitures, mais faut pas le dire ça. C'est une grande carrière en fait. Donc je me rappelle quand on avait la démo du jeu, en fait on allait là. Et c'était tout le monde allait là, je sais pas pourquoi. Et c'était en mode cascade de ouf quoi. Ah, plouf. Ah, y a un autre panneau là. Je savais bien qu'il y en avait un autre. Comment je fais pour l'avoir celui-là? Ah mais il y a des panneaux jaunes aussi là. Ah oui parce qu'on peut remonter aussi je crois par là. Ah non c'était pas par là. Là on est au niveau du barrage. C'est possible. Ah, si je me souviens bien aussi, à partir de cet endroit, il y a une grosse cascade à faire. Alors, on va... Voilà, casser cette grille-là. Et à partir d'ici... Il y a une grosse cascade à faire de l'autre côté. Je me rappelle plus exactement où c'est. Ok, donc mon élan ne servait à rien, parce que c'est pas par là. Je crois que c'est là. Non. C'était pas là. Ah non, c'est plus bas. Oui, c'est bon, je m'en rappelle. C'est pas... On va juste refaire la grosse cascade de ça. Si on y arrive... Ah, j'ai pas réussi. Il y a moyen de la faire en vrille, en fait, celle-là. On va retourner. C'est juste pour le beau jeu, hein. Voilà. Et on finit sur le toit. C'est pareil, celle-là, elle est cool, elle est connue aussi. Alors, on va essayer de faire l'autre cascade, qui est un peu plus en contrebas. Et normalement, c'est un super grand saut aussi. Je crois que c'est là, ouais. OMG.
Ok. Eh bien, les amis, vu qu'il est 23h, je vous avais prévu que sur la dernière heure, on se rendrait à Big Surf Island. Eh bien, écoutez, on va y aller. Eh ouais, parce qu'on garde le style, nous. On s'arrête plus. YOLO! Alors non, si on le fait bien, on peut rouler sur les murs sans se retourner. C'est dur à faire, surtout à grande vitesse. Mais c'est faisable. Alors attendez, je regarde juste l'endroit où je dois aller. Parce qu'il y a un seul pont pour y aller. Et c'est celui-là. Et il faut y arriver de par là, parce que si on va par la route d'en dessous, en fait, c'est un tunnel. Donc... il faut que j'aille vers le centre. Ok. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu, les amis? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est des choses que vous aimez voir? Bon, je vous avouerai que c'est un petit peu plus fun à jouer qu'à regarder, je pense. Mais j'aimerais tellement qu'il y ait un Burnout qui ressorte sur les consoles d'aujourd'hui ou les prochaines gènes, hein. Pourquoi pas. Je kifferais tellement revoir Burnout, quoi. C'est une de mes licences de voiture préférées, hein. C'est tellement des fouloirs. Ah, je suis monté sur l'autoroute, je suis pas sur la bonne route là. Je suis en contresens en plus. OMG. Faut que je trouve une sortie. Oh putain, le face à face. Ça fait vroom. Ah, c'est à dire que moi j'ai tous les épisodes de Burnout, je les ai surkiffés donc. Bon, celui-là c'est pas mon préféré. Hein. Je l'aime bien parce que bah, c'est le dernier de toute façon. C'est pas celui que je préfère. Celui que je préfère c'est. C'est Burnout Dominator, je crois. Mais sur PS2, quoi. Ah oui. Eh oui. Alors attendez que je regarde. Pour choper la route. Ouais, il faut que je remonte, faut que je fasse demi-tour. Oh, un mur. J'avais pas vu. Ok, là faut que je tourne à droite. Techniquement c'est tout droit. Je crois que je suis sur la bonne route. Ah non. Il faudra que je retourne juste à gauche là. Et là je suis sur la bonne route. Alors il faut savoir que sur Big Surf Island, vu que c'est un DLC, en fait, toutes les choses que vous allez faire là-bas vont compter essentiellement pour là-bas, en fait. Donc tous les panneaux qu'on va détruire et toutes les barrières qu'on va détruire aussi, eh ben ça compte pas pour l'île principale, ça compte que pour Big Surf Island. Ce qui paraît un peu logique. Ok, on est sur Big Surf Island, les amis. On a fait une entrée fracassante. Alors, il y a énormément de spots, de cascades sur cette île, en fait. Et ça a été fait pour que vraiment les gens s'amusent à chercher des raccourcis, à faire des cascades avec des espèces de points de vue un peu paradisiaques, etc.
Il y a des hôtels en construction dans lesquels on peut monter aussi. Et il y a des chantiers. Et on a rien senti, on est reparti les amis. Le mec passe en tonneau dans un immeuble en construction. Et sa voiture fonctionne toujours, incroyable. Ah, il y a un parking souterrain aussi qui monte en tournant comme ça, je crois. Attendez, je vais vous trouver une belle vue sur la mer. Là. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Non, en fait le pont est en construction et Doggy c'est pour ça. Ou le mur. Alors si je me rappelle bien, sur le pont pour accéder à l'île, il y a un super saut à faire. Il est juste awesome. Attendez, il est où? C'est par là. On va essayer de le faire, ça peut être drôle. non, c'est la rue d'à côté. Ah, c'est là. Mega jump. L'atterrissage va être catastrophique. Je m'en doutais. Du coup, il va pas compter. Moi je dis il se retente quand même. Il se retente. Ah, il y avait un panneau juste là à droite. Bon, attendez. On va déjà faire le saut et après on verra pour le panneau. Ah, j'ai pas de boost. Eh ben non! Parce que ça passe! Et on va aller refaire la même dans l'autre sens. Ah, mais il y a des grilles sur le pont! Attendez, c'est honteux. C'est honteux de faire ça. Mais OMG. Comment je fais pour avoir le panneau là-haut? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Faire ça. Ok. On va avoir le panneau juste à droite, ici. Voilà. Oh, il y a des grilles là. Ok. Ah, il y a des grilles partout ici, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ah, il est là le parking. En fait, je crois qu'il y a un défi ici, c'est de le monter tout en dérapage, je crois.
Ah. Il me semble que t'as un trophée si tu le montes entièrement en dérapage. C'est ça, exactement, Hideki. Oh putain, c'est chaud. Ok, je suis en haut. C'était bas haut. Alors là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Là, il y a un méga saut. Donc, je pense qu'on va se le faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas méga d'élan, en fait. Si, on va se mettre là. Voilà. Là, on devrait être pas trop mal. Ok, ça passe. Ah ouais, on était tout là-haut quand même. Mine de rien. Ah, il y a des panneaux là, les amis. Cette île, ça regorge de tout, de panneaux, de barrières, de sauts. C'est un condensé ultime de ce qu'ils ont fait sur l'île principale, en fait. Ah. Oh, ça va, je l'ai pas touché. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais j'étais pas censé le faire à mon avis. Pour faire un créneau dans ce jeu, c'est chiant aussi. Hein. Ah, par contre, ça existe. Attendez. Il faudrait trouver des voitures garées. On peut faire des créneaux dans ce jeu. Je vous trouve des voitures garées et je vous montre. C'est très dur à faire. Il n'y a pas de voiture qui se gare ici? Ah si, là, c'est bon. Alors le but, c'est de trouver deux voitures où il y a une place pour se garer entre les deux. Genre là, on va essayer. Bah voilà. On va essayer d'en faire un plus tricky pour voir. Là. Non, là ça rentre pas. Là ça rentre pas. Chérie, qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai garé la voiture. Ouais, mais t'avais bien vu qu'il n'y avait pas la place là. Bah non, on m'a dit qu'on pouvait se garer entre deux voitures. Ah oui, punaise, cet enchaînement. Attends. On pousse les poubelles. Je sais plus où ça va. Attendez, je crois que c'est peut-être dans l'autre sens. Je sais que ici il faut monter. À Paradise City, la route c'est seulement une partie du défi. Ceux qui font partie de l'élite burnout, ils en sont pas arrivés là en restant sur le bitume, mais en trouvant leur propre voie, là où les autres ne vont pas. Dans les ruelles, dans les propriétés privées, sur les toits, dans les airs. Si tu veux jouer dans la cour des grands, il faut que tu connaisses la ville aussi bien qu'eux. Roule pour apprendre. C'était DJ Diabolica sur Crash FM. Ah, il y a un panneau là-haut. Voilà, c'est ça.
Attends, c'est encore trop là. Non, je déconne. Ah, un parking. Je crois qu'on va monter tout en haut. Hein. Ah, c'est chaud ça. Ok, bon, on va faire celui-là. Et là, techniquement, faut remonter tout parce qu'il y a encore d'autres panneaux à faire. Je vais pas vous embêter avec tout ça. Par contre, je vais vous montrer, il y a un espèce de chantier où c'est n'importe quoi. Ça va juste être drôle. Je sais plus où il est. Putain. J'ai perdu l'adhérence là. Et puis j'ai fait un tête à queue. C'est quoi ça? Ah, il y a un saut à faire là-bas encore. Ouais, on va aller faire le saut. Ah, j'allais pas assez vite. Sauter dans le donut. Ah bah c'est bon, il y a une chance de recommencer, c'est bien ça. J'ai pas de boost. Bon, tant pis. Ah, je vais vous chercher le chantier là que je vous ai parlé. Je crois que c'est juste derrière le tunnel. Il est où le tunnel? Allez, t'es à droite. Attendez, il y a une grille là. On peut pas laisser ça sans taper dedans quand même. Ce serait honteux. Même pas mal. La DDE devrait être contente aussi parce que faut voir tous les trucs que je casse. Je leur file du boulot. Ah, il est là le chantier. Il est là le chantier, les amis. Alors, attendez, je sais plus trop exactement où il faut aller. Ah, je suis déjà passé ici.
On va se faire le petit panneau là parce qu'il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ok. Donc, alors attendez, je me retrouve le petit terrain de construction parce que... On va s'enjailler là-bas. Bon, là on s'enjaille dans un poteau, mais... Blague à part. Voilà, on y est. Alors ce chantier là, c'est n'importe quoi. Déjà, il y a des panneaux partout. C'est n'importe quoi, et en plus, on peut faire un saut. Et aussi, on peut descendre la montagne comme ça. Ok, ça marche, Marc Fumal. Merci d'être passé. Y a pas de souci. À la prochaine. Je dirais que j'ai raté un panneau là. Moi je vous disais que c'était n'importe quoi ce chantier. C'était voulu ça. J'ai pas compris. Donc le fait de rouler rapidement aussi sur les routes vous permet de faire les... Les fous sont de plus en plus fréquentes à Paradise City. Ici DJ Diabolica sur Crash FM pour annoncer qu'il y en a une en cours en ce moment. Allez, pied au plancher. Tu arrêtes de me couper la parole, madame. C'est pas très très gentil tout ça.
Je disais donc que quand vous roulez vite à travers la ville, vous avez de grandes chances, enfin sans vous cracher, vous avez de grandes chances de réussir des défis chrono. Les défis chrono, si vous en réussissez suffisamment, c'est pareil, il y a des... Il y a des trophées à gagner. C'est honteux. Tout à fait d'accord, Wolfram. Ah, je viens de voir un truc. Il y a un truc cool à faire là. C'est juste là. Ah, on peut encore monter plus haut. Bon, on va déjà faire celui-là. Je crois qu'ils ont été gentils avec moi là. Allez, attention, c'est parti. Dans quel état... Ouh, j'allais dire dans quel état on va atterrir. Ça va pas être beau. Ouh. Ah bah ça va, ils nous feront recommencer d'ici, c'est très bien. Non ? Non ? Merci. Comment je fais pour gagner mon boost ? C'est bon, on va y arriver comme ça. Ok, c'est parti. Ok. Vous pouvez aussi tenter le beau jeu de rouler vite et d'essayer d'esquiver toutes les voitures. Pas comme ça. C'est aussi ça Burnout, hein, c'est la vitesse. C'est aussi ça, Burnout, c'est les crashs. Ah, mais on n'y est pas allé par là. Incroyable. Ouh, c'était sûr que j'avais pas assez de vitesse. Ceci était absolument pas prévu. Comme ça non plus, c'était pas prévu. Non, je voulais bien choper le panneau qui était en haut en fait, mais je sais pas par où il faut aller pour l'avoir.
suis là, le panneau il est là. Comment je fais pour le taper celui-là? Non, c'est pas par là. Il y a forcément un endroit pour sauter quelque part. Ah, je pense que ça va être au-dessus. Oh, mais si les gens ils savent pas conduire aussi. Ils sont au milieu de la route. Ouais, c'est ça. Ok, faut que j'aille plus vite. Faut que j'aille plus à droite aussi. Ah, c'est pas évident comme jeu, hein, mine de rien, ça paraît simple, mais... J'ai vu un truc aussi dans le tunnel, là. Ici. J'en ai vu un autre. Ok. Ah non, beaucoup trop haut, beaucoup trop vite. On peut pas rester sur un échec, les amis. Le mur invisible. Ok, faut vraiment que je prenne le boost juste avant en fait. Ah mais ça date ça les amis. Les bons souvenirs. Ok, beaucoup trop à droite. Ah, ils m'ont enlevé tout le boost les enfoirés. Ouais, t'as connu ça aussi, Wolferan, me la fais pas. Ah, punaise, mais c'est chaud. C'est chaud de bien le prendre en face, en fait. Quelqu'un d'autre a ces pulsions irrésistibles de foncer dans n'importe quoi pourvu que ce soit jaune. T'as quelque chose de gratifiant là-dedans. Personne d'autre? Bizarre. C'était DJ Diabolica sur Crash FM. J'adore sa voix, par contre, à DJ Diabolica. Je sais pas qui c'est qui fait la VF. Ok, ça passe. Oh, le saut à travers le phare. Waouh. Ah, du coup, c'est de ton âge aussi, Wolferan. Je suis désolé de te le dire, mais...
Et c'est toi qui dis ça, Edogi. Bon, allez. On va quitter Big Sur Fighting. Et on va aller refaire du World Rage sur l'île. Oh, le pont. Oh, le pont. Oh, cette cascade, les amis. Tout était calculé. Quel destructeur, ce Darkseid. Alors, Road Rage. C'est un raccourci. Ah mais attendez, je l'ai déjà fait celui-là. Il y a aussi un défi qui s'appelle faire le tour de l'autoroute aussi. Sans se crasher. L'autoroute a fait tout le tour. Je vais vous montrer. Oh, le frein, il est long à freiner. L'autoroute, c'est le tracé jaune là, que vous voyez. Et après, elle passe en souterrain. Là. Tac, 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 comme ça. Puis elle ressort ici. Tout ça, c'est l'autoroute. Et faire le tour de tout ça sans se crasher, c'est tendu. Tendu. Comment on fait pour l'avoir celui-là? Ah oui, je sais. Je crois que je sais. On s'en fout, on était parti faire du road rage à la base. Je veux du road rage. J'ai envie de casser de la voiture là. Non, faut pas dire ça, Edogi. Oh, le Red Dread, il est là. Ok, il y a un road rage tout droit. Mais pourquoi ils traversent la route, les gens, comme ça, là? C'est pas bien. C'est parti. Prêt pour quelques takedowns? Commence le road rage. Aïe, aïe le mur. Ah
Ah mais on est sur l'autoroute là. Bon là on est dans un mur mais ça faut pas le dire. Je vois plus la route. Désolé. Ah merde, c'était pas un concurrent lui. Et bien sûr, on passe sans payer parce que on est des méchants. C'est tendu de passer le péage quand tu roules à fond. Sans te payer les cabines de péage, c'est chaud. Oh merde, je suis sorti de l'autoroute. C'est pas grave, on rentre. Bah ils sont où les autres? Ils sont là. Oh le péage, oh le péage, oh putain le péage. C'était chaud quand même. On a réussi à 1 en plus. Mais en pleine ville c'est compliqué les takedowns. Hein. Allez, un petit tour sur l'autoroute, les amis. Ah, je voulais me mettre contre le mur, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas la place. Du coup, je me suis dit non, faut passer à droite. Mais c'était trop tard. Oh punaise. En même temps je joue avec le feu hein, contresens, hein, c'est pas ce qui est le plus simple, mais sinon on peut pas avoir de boost si on roule pas en contresens. Oh t'es sérieux? Comment se garer sur l'autoroute? Le péage, le péage, le péage! Ouais, c'est bon. Ah, mais attendez, il y avait un redredge au péage. On va le faire. Je me rappelais plus qu'il y avait des épreuves au péage. Enfin, du coup. L'épreuve la plus dure que j'ai jamais faite sur ce jeu, c'est le parcours burning de la Formule 1. Parce qu'il faut faire le tour de l'autoroute. Et le chrono il est tellement serré. Je crois que j'ai essayé au moins 50 fois avant d'y arriver. Ok, j'ai pas suivi là. Ah, venez chez moi. Restez pas dans votre coin. Ah putain, ils me foutent dans la sortie d'autoroute.
qui est chiant des fois, c'est que quand ils se mettent en paquet comme ça, ils font dévier les autres voitures et du coup vous les prenez à deux à l'heure. Le road rage, y'a que ça devant les amis. Et merde, j'ai été trop vite. Bah, semble-t-il qu'il y a un trophée à Burnout x10, je crois. Bah, sortez pas. Restez là. Vous voyez, sur l'autoroute, c'est quand même tout de suite plus drôle, le road rage. Voilà, je m'en suis mangé un. Hein. 16 takedown, les amis. Ah, ça fait du bien. En plus, il y a des rampes de partout là-bas. Un des meilleurs endroits de Paradise City pour faire des tonneaux. Au lieu de la cascade. Je la touche pas. En ville, c'est compliqué, Doggy, parce que... En ville, il y a beaucoup de virages. Là, c'est une route, l'autoroute, c'est une route toute droite. Du coup, à part les moments où tu te manges les sorties, parce que le jeu te met les caméras takedown un peu bizarrement. Sinon, ça se passe pas trop mal en général. Qui a toujours rêvé de conduire comme ça sur l'autoroute ? Ok, donc en fait, les chronos sur l'autoroute, ça se passe entre deux sections de péage. Donc du coup, là, je viens d'en passer une. Donc jusqu'à temps que je passe la suivante, je fais un chrono, en fait. Alors, la voiture est beaucoup plus maniable sans le boost, hein, on est bien d'accord. C'est bizarre parce que là ça m'a pas compté le chrono. Attends, je me concentre, j'évite de lire le chat. Voilà.
Donc là, techniquement, on va pas tarder à avoir fait le tour de la map. Et voilà les amis, un tour de map sans se crasher. Avez-vous votre Dark Side, il sait conduire quand même. Bon, sans le boost, j'avoue que c'est plus facile. Avec le boost, c'est tout de suite plus compliqué. Oh non, il me dévie. Ah bah oui, il y a deux vies. Bon. On va se trouver un petit coin tranquille, avec une belle vue. Et ça sera... Non, on va aller sur la plage, tiens. Je me rappelle plus si s'il y a un bon spot avec la plage. En même temps, là, il fait gris, le temps est couvert, donc... Je me rappelle plus s'il peut pleuvoir dans le jeu. Je crois que si, hein. Parce que je crois qu'on peut régler la météo aussi. Bon alors il y a trois pauvres voiliers qui se battent en duel. Il fait de poupourri. C'est pas vraiment ce que j'appelle un bon spot. Avec une belle vue. On va peut-être chercher un truc plus joli quand même, non? Il me semble qu'on peut modifier la météo. Heure du jour. Ok, donc ça c'est pour paramétrer les journées. Ah oui, parce que vous pouvez mettre aussi le fait que la météo, enfin non, que la journée soit des journées de 24 heures, c'est-à-dire comme chez nous. Donc par exemple, si vous commencez à jouer l'après-midi et que vous terminez de jouer en pleine nuit, et ben en fait, pendant tout le temps que vous jouerez en pleine nuit, ben, il fera nuit dans le jeu en fait. Sauf que moi j'ai mis des cycles de 24 minutes, comme ça au moins il se passe le jour, il se passe la nuit, etc. Mais vous pouvez tout à fait jouer... comme le temps qu'il y a chez vous. Mais il me semblait qu'on pouvait régler la météo. Bah, j'ai peut-être dû me fourvoyer. Tant pis. Bon. Cherchons un truc un petit peu plus joli. Il y a un petit phare là. Est-ce qu'on peut s'arrêter dans le coin? Oh, il y a un hélico. Je l'avais jamais vu. Marqué à chaque fois que je passe ici, je passe très vite. Hein. Dommage que le phare il a pas le truc qui tourne là. Ça aurait été joli. À moins qu'on se cherche un petit spot dans les montagnes. Un petit truc joli là.
Le mur m'a dit non. Ah, est-ce qu'ils vont me l'avoir compté ? Oh putain, les enfoirés. Pas d'effort à faire. C'est honteux, les doggies. Ok. Vous inquiétez pas, je maîtrise. Bon, là, je l'ai vu trop tard. Moi je dis que dans une ville il y a quand même un peu trop de murs quand même. Ah, pas assez vite. Alors faites-moi ma caisse, là vous abusez, y a plus rien dessus. Bon, celui-là il est easy, je le fais. Regarde où je vais. Ouais. Faut que je tourne à droite. Crash FM avec des nouvelles de la dernière course dans Paradise City. Il semblerait qu'elle traverse toute la ville avec des pilotes à gauche, à droite. En tout cas, ils se retrouveront tous sur la ligne d'arrivée. Ah, je peux pas monter la caméra. Dommage, ça aurait été beau ici.
Bon allez, on va se laisser sur le petit lac. C'est joli le petit lac. Ah. Bah écoutez, je sais pas vous, mais moi j'ai bien aimé casser des voitures ce soir. Ah, attendez. Non. On va rester sur de la musique correcte quand même. Hein ? On va pas déconner. Ah, mais moi je dis que j'ai cassé des voitures et que c'était drôle. Non. Attendez, elle est pas ouf cette musique. Non, celle-là non plus. Ah, celle-là elle est cool. Vous avez vu, je peux tourner les roues. Alors, vous voyez à l'intérieur, le volant tourne. Hein. Mais vous remarquerez qu'il n'y a personne qui conduit. Hein. Et parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre des gens se suicider dans des murs ou des trucs comme ça. Ok, ça marche, chez Dougie. De toute façon, je vais couper le stream. Je vais en profiter pour vous envoyer... chez Ebou qui joue à Pokémon. Donc si ça vous intéresse, je vous envoie chez elle et vous pourrez lui passer un petit coucou et vous pourrez aussi voir à quoi ressemble le nouveau Pokémon si ce n'est pas déjà fait. Et je veux que tu saches que je t'ai toujours soutenu, l'ami. Eh bien merci, Wolferan. J'espère que vous avez passé une bonne soirée à toutes et à tous et on se retrouve mercredi prochain. Ou peut-être avant sur Golden Phoenix, je sais plus ce que j'ai programmé. Je crois que vendredi, il y a quelque chose sur Golden Phoenix. Et mercredi prochain, on se retrouvera sur ma chaîne pour effectuer un nouveau jeu aventure qui devrait tous vous plaire. Et on le fera en entier, donc ce sera un jeu qui durera plusieurs semaines. Sur ce, les amis, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous. Qui dort derrière, si tu veux. Et la chaîne des chances que les rôles s'effectuent. Ah oui, les KO Toto. Ah oui, d'accord. Je vois. Ouais, bah, faut tuer tout ce que tu peux, quoi. Ça s'est bien passé pour toi? Je sais pas ce que tu faisais après, mais... Une allumette. Ouais, bah il est pas évolué quoi. Bon, bah je sais pas s'il y a autre chose, hein, mais. Burnout par là. Ah, je connais pas. Ah, oui, quand même. Faut en faire.
sais pas. Je vais le refaire une dernière fois et puis bah si y'a rien, y'a rien. Ah bah ouais. T'es à combien au niveau du Pokédex? Oh bah tranquille, là j'ai repris à 23h, donc je suis en train d'aller vers la 7ème arène. Donc ça va, ouais. Et puis je verrai pour faire des raids à